Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau let's play qui sera sur Fallout 4, un jeu édité et développé par Bethesda Softworks, un jeu sorti le 10 novembre 2015 sur PC et console PS4 Xbox One. C'est un jeu de type RPG action, enfin RPG FPS, et qui se passe dans un univers post-apocalyptique. Donc nous allons tout de suite lancer une nouvelle partie et on va un peu discuter pendant le temps de chargement. Oui, donc voilà, donc je vais déjà prévenir pourquoi il y a moins de vidéos sur la chaîne actuellement, il y en a une à peu près tous les 2-3 jours. C'est très simple, je n'ai plus tant de temps que ça pour les faire à cause de l'année que je fais, l'année scolaire actuelle. Je suis en classe préparatoire et j'ai plus d'une quarantaine d'heures de cours par semaine. Donc c'est un peu dur, surtout que des fois je fais du lundi au samedi. Certains jours je finis à 20, enfin je rentre chez moi à 20h, donc c'est un peu difficile à faire. Là, comme par exemple aujourd'hui, là j'ai fait 8h, 20h aujourd'hui, donc voilà. Donc je vous laisse avec la petite cinématique et on continuera un petit peu à discuter juste après. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand il retrouverait sa femme et son fils qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait a été exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte, mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes, comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au 21e siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse avaient entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruine. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077, à l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée, c'est que la guerre ne meurt jamais. La guerre ne meurt jamais. Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans. Tu crois ? Évidemment. Maintenant, arrête de t'admirer et file te préparer. Bien. Donc voilà. Voilà qui est fait pour une petite introduction au Fallout. Donc je n'ai jamais joué à un Fallout, c'est mon premier Fallout. Donc avant tout, changeons de sexe. Alors, visage. Les visages préconçus ne sont pas très très bien, quoi. Oh! Alors, on va. On va tout personnaliser un maximum. Ou sinon, je sais ce que je vais faire. On va juste faire une petite ellipse le temps que je s'analyse tout ça. Et ensuite, on revient. Petite ellipse.
Et me revoici, nous allons tout de suite continuer. Oh, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini. Bon, pas grave, on va faire le reste ensemble. Faisons le reste ensemble. Plutôt pas mal. Non, c'est bon. Ah ouais, d'accord, même ça va même jusque là. Non, là c'est bon. Pas mal. Pas mal du tout. Alors... Ça c'est bon. Et dégâts, c'est quoi? Ah oui, c'est les cicatrices. Non, c'est bon. Oh. Ah non. C'est bizarre comme proportion. Ici, ça devrait être bon. Et voilà, terminé. Il y a quelques petites saccades d'animation, je ne sais pas pourquoi. Mon cœur. Tu peux aller voir si le petit déjeuner est prêt. Je vais essayer de mettre les sous-titres. Normalement, je les avais mis, mais. On ne dirait pas, où est-ce que c'est déjà? C'est dans affichage. Sous-titres généraux. Voilà. Je ne sais pas si je les aurai, mais normalement ça devrait être bon. Hein. Je me prépare. Ah, nice. J'espère que ça ne s'inquiète pas trop pour vous. Il faut vraiment faire développer ces photos de vacances. On ferme les portes. Toutes les portes. J'ai hâte de lui apprendre à en faire. Le gant est encore un peu grand, mais Sean finira par pouvoir le mettre. Ce sera un génie de l'orthographe ou un génie de la démolition. Et un jour, il va apprendre à conduire. Je me demande à quoi Sean ressemblera plus tard. Alors, faisons un petit tour pour voir si les objets n'ont pas l'air. Petit bébé. Petit Sean. Pareil. Donc normalement le son de mon micro devrait être mieux qu'avant. Un Baxo pour le nettoyage. Tout simplement grâce à une petite modification dans Windows hein, que encore j'ai vu sur Internet. Produit de General Atomics International. Je te fermais là. Alors. Purée minute. Biscuits Fancy Lads, macaroni Blamco. Date d'expiration, jamais. Ah, c'est pas bien de faire de la pub. Même si c'est pas de vrai objet. Madame, tenez, votre café. Une
Température de 78,6 degrés Celsius, comme d'habitude. Vous m'en direz des nouvelles. Et le jour Vive l'Amérique. Ça en a fait des nuits blanches. Mais ça en valait la peine. Alors... C'est un peu tôt pour ça. Qui a laissé ça ici? Mon cœur? Je crois qu'il est temps qu'on emmène Chaudsoir sans révision. Hein. Je crois qu'il est temps de changer le petit show. Toujours la même chose. On était Grognac un peu le barbare dans la jungle des bébés vampires. Bombe sucrée. 100% de l'apport quotidien en sucre. Oh, on trouvera jamais ce chien. On dirait que le lait a été livré. Nuka-Cola. Bien frais. Ça donne soif, ça, Nuka-Cola. Steak Salisbury en sel. Note A+. Comment un si petit bonhomme peut boire autant? Alors, est-ce qu'il se remplit? Oh. Encore surprenant. Je ne sais pas pourquoi il insiste comme ça. Bonjour. Bonjour. Société Voltec. Voltec? Qu'est-ce que vous faites déjà? C'est pour vous que nous sommes là. Et pour assurer votre avenir. Chez Voltec, nous sommes à la pointe des abris souterrains anti-atomiques les plus modernes. Vos abris. De vrais appartements de luxe où vous pourrez attendre confortablement la fin de l'hiver nucléaire. Vous n'imaginez pas combien je suis heureux de pouvoir enfin vous parler. Ça fait des jours que j'essaie. C'est vraiment une question de vie ou de mort, croyez-moi. Qu'est-ce qu'il y a de si important? Mais votre avenir tout entier, tout simplement. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, ce pays court tout droit vers la catastrophe. Excusez mon langage, mais la fin du monde est inévitable. J'en ai peur. Et risque de survenir plus tôt que prévu. Je me dois de vous prévenir. Mais je sais que vous êtes occupé. Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps. Le temps est... un bien précieux. Je suis venu vous annoncer qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays, une place vous a été spécialement réservée dans l'abri du quartier. L'abri 111. J'ai une famille. Vous pourrez tous nous y loger. Bien sûr, bien sûr. Sauf pour votre robot, naturellement. En fait, vous avez déjà accès à l'abri. Il faut simplement que je vérifie certaines informations. Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes en cas d'imprévu comme destruction atomique à l'échelle mondiale. Ça ne prendra qu'un instant. Vous pourriez m'en dire plus sur cet abri? Oh, il a tout le confort moderne d'une vraie maison, pas d'inquiétude. Sans parler d'une protection totale contre les radiations nucléaires et les mutants hostiles. Un avenir meilleur sous terre. C'est bien plus que notre mission. C'est notre passion. L'apocalypse? Eh ben, je signe tout de suite. Ça me plaît. Alors, voyons. Oh. Comment je peux m'appeler? Voilà. Alors, force. La force correspond à votre puissance, boy. Enfin. Votre puissance physique brute, elle détermine le poids que vous pouvez porter et les dégâts infligés par vos attaques au corps à corps. La perception correspond à votre conscience de l'environnement et votre sixième sens, elle détermine la précision des armes en mode SVAV. En mode SVAV. L'endurance correspond à votre forme physique générale, elle détermine votre santé totale ainsi que votre consommation de points d'action, pardon, lorsque vous êtes unité. Le charisme correspond à votre capacité à séduire et à convaincre. Il détermine vos chances de gagner les défis d'éloquence et les prix que vous négociez.
L'intelligence correspond à votre acuité mentale générale et détermine le nombre de points d'XP que vous gagnez. L'agilité correspond à votre habilité et à vos réflexes. Elle détermine votre nombre de points d'action en mode SVAV ainsi que vos capacités en termes de furtivité. La chance correspond à votre bonne fortune générale et détermine la vitesse de chargement des coups critiques, enfin de recharge des coups critiques. Alors, j'ai 7, 3 en force, 4 en charisme, 5 en intelligence, 2 en chance, 2 en endurance, 3 en agilité, 3 en perception, 2 en force supplémentaire, et voilà. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non? Ce que je ferais pas pour Sean et toi. Bonne réponse. N'est-ce pas? Ah, il pleure. Non, ne pleure J'ai pas. Changé la couche de Sean, mais rien à faire pour le calmer. Je pense qu'il a besoin d'un câlin maman que vous semblez si bien maîtriser. Vas-y, j'arrive dans une seconde pour t'aider, d'accord? Bon garçon, n'embête pas sa maman, n'est-ce pas? J'ai réparé le mobile au-dessus du berceau l'autre jour. Essaye-le, vas-y. C'est bien, mon fiston. Un vrai modèle, comme son père. Enfin, la plupart du temps. Dis. Je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Pour faire quoi? Préparation Et si on s'occupait des préparatifs d'Halloween plutôt? Madame? Monsieur? Je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Cotsworth? Ah. Et maintenant? Attendez, des éclairs. Des éclairs aveuglants. Des bruits d'explosion. Hé, hey, Cotsworth. Nous, madame, nous essayons d'en savoir plus. Quoi? On m'indique que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Des sources sûres nous confirment que... Oui? Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à New York et en Pennsylvanie. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Il faut qu'on aille à l'abri. Vite! J'ai Sean avec moi. Allons-y! Habitants de Sanctuary Hills, si vous êtes inscrits, rendez-vous immédiatement à l'abri 111. Go, 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 go! Laisse les valises! On n'a pas le temps! Aide-moi à tout faire rentrer! Ah, d'accord, c'est une barre de staminé la PA. Enfin, stamina, pardon, pas de staminé. Ça veut rien dire, staminé. C'est absurde! C'est moi, Voltaire! Si je rentre, vous ne m'arrêterez pas! Du cap, porte des plaintes! Vous êtes inscrits, avancez! Sinon, rentrez chez vous! Laissez-nous entrer! On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte, c'est bon. Merci. Bonne chance, monsieur. Vous deux, suivez-moi, allez! Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière? Allez, dépêchez-vous! Excusez-moi! Par ici! Allez, go, go, go! Montez sur la plateforme! Mettez-vous au milieu! Oh! Alors... On y est presque! Sean va bien? Il va bien. Ça va aller. Je t'aime. Bon sang! Descends, descends! Vite, vite! Descendez tout de suite! Accroche-toi! On peut pas aller plus vite! Oh mon Dieu! Aidez-moi! On a réussi. On y est. Tout va bien. Sortez tous de l'ascenseur et montez les escaliers. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans l'abri 111. Un avenir meilleur sous terre. Donc là,
On doit... Montez l'escalier, allez. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard... N'y pensez on plus. On serait tous... Vous êtes en sécurité, maintenant. Montez tous l'escalier et franchissez la porte. Mon cœur... C'est notre nouvelle maison. Pardon. Juste... Excusez-moi. Juste une minute. Oh, oh bon sang. Eh... Qu'est-ce qui se passe? Allez, on a encore du pain sur la planche. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour cette première vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheStel, prochain Team HD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo.